Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu Shogun 2 Total War. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cet épisode. Alors, beaucoup plus tard que prévu, je sais, il est déjà 4 heures passées, effectivement, j'ai été un petit peu prise avant, donc je m'en excuse. Mais ce week-end étant un petit peu laborieux, j'ai pas trop eu le choix que de faire un peu comme je peux au niveau des horaires. Donc en tout cas, nous voilà pour la suite de notre stream, effectivement. Notre campagne se passe extrêmement bien. Là, effectivement, on commence à récupérer à peu près tout. On a à peu près récupéré comme une bonne partie des puissances des royaumes. On va sauvegarder. Oui, c'est bon, c'était sauvegardé. Est-ce que je pouvais faire en bataille automatique la bataille de gauche? Oui. On récupère Issen au moins. J'ai hésité. Je vais être franc, j'ai hésité. Comme ça, au moins cette compagnie-là pourra se faire apparaître ici. Et paradoxalement, je pense que je vais peut-être même reconstituer plus vite dans cette province que dans l'autre province. Alors ici, normalement, armée, tac, 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 j'en ai une. Ici qui revient. Ah oui, l'armée de mon daimyo, tu m'étonnes. Il faut la ramener ici pour qu'on commence à faire le siège du shogunat Tokugawa. Du shogun, excuse-moi, shogunat Asano. Là au nord, bon, on est tranquille, on n'a plus rien à faire. Au niveau des marines. Je suis en train de construire, je pense, toutes les marines possibles, inimaginables, un peu partout. Cette fenêtre montre la liste de toutes vos flottes disponibles dans le clan, leur point d'action, leur position actuelle, le nom et la loyauté du général au commandement, et le nombre de navires. Il est possible de trier l'affichage selon chaque critère. Cet onglet établit une liste des armées de notre clan sur le terrain, leur point de déplacement disponible, leur position sur la carte, le nom et la loyauté du général et le nombre de troupes. La liste peut être filtrée en utilisant ces catégories. Tac, on va envoyer ça ici. Et on sera bon. Maîtrise poudre à canon. C'est des serrobounets que je vais faire à mon avis. Je pensais que c'était autre chose, mais... Ça me débloquera les serrobounets, c'était pas... Je pense pas que c'est le navire que je pensais initialement, mais... Pas grave. On prendra ce que je peux avoir, le reste n'a pas d'importance. Globalement. Ah. Les missions et les conditions de victoire sont détaillées ici. En plus de devenir shogun, chaque clan possède plusieurs conquêtes territoriales prédéfinies qu'il doit réussir pour remporter la victoire. Ok, on est bon. Je pensais pas qu'ils allaient être... Par contre, je pensais pas qu'ils allaient faire le move qu'ils viennent me faire. Tant pis, défaite. Pas grave, ma flotte a pu traverser. Ah, punaise, cette flotte-là, c'était pour récupérer l'armée de mon daimyo. Tant pis. Shozokabe qui se montre, ils sortent un petit peu de chez eux. Comme on pouvait s'y attendre, de toute façon, à un moment, leur île a été bien envahie. Encore heureux qu'ils essaient un peu de se défendre, parce que sinon je commencerai à m'inquiéter pour eux. Voilà, comme prévu, eux ils me déclarent la guerre. Je m'y attendais, de toute façon. Là j'ai regardé un peu relation, je m'en suis douté quand j'ai vu qu'ils étaient chrétiens.
spatiale maritime est attaquée par une flotte ennemie. Sans votre intervention, ils vont piller tous les navires et s'emparer de nos marchandises et de nos revenus. De toute façon, on n'est pas trop mal ici. Choisir, je préfère focus ça. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est pas un gros adversaire, hein. Vous voyez, de toute façon, il n'y a que des Hashigaru, mais faire tomber ici, c'est surtout m'ouvrir le fait qu'à droite de l'île, il n'y a plus personne. Donc en fait, en prenant ici, j'élimine un petit clan, bon, pas un gros clan. Je sais que je perds de toute façon Io, je pouvais pas rattraper cette armée-là, donc je pouvais pas contester. Mais au moins, voilà, la droite est sécurisée de cette manière-là. Ici, je construis une nouvelle armée. Ici, je pourrais limite mettre en construction des moines. Ça coûte rien. Soit brut, soit brut. Ça demande ici de construire tac tac ici. J'aurai quasiment autant d'archers au corps à corps, je vais juste les exploser. Attaque en mêlée, 11-7. Bon, c'est quand même moins que des katanas. Hein. Par contre, c'est mieux que des Hashigaru. Hein, donc, voilà, ça devrait être la forteresse. Surtout, n'oubliez pas que c'est un château. C'est une des meilleures fortifications possibles qu'on peut avoir. Donc, c'est pas mal du tout. Toyotomi, Tokonomi, je pense que parce qu'il bouge pas là-bas. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Donc, de toute façon, ça va bien se passer, j'ai envie de dire, gars. Au pire, il me prend Yamato. Ça doit arriver, hein. Dire c'est pas ça qui va nous faire perdre, qui va vraiment nous contrarier ou qui va vraiment nous changer la game. 2, 3, 4. Ah, par contre, j'aimerais bien prendre ces deux navires. Voilà, comme ça fait deux. Ça fait une faute de commerçant plus là-bas. Bloquer cette flotte là ici ben. J'aurais peut-être pas dû y aller, tant pis, je suis en train de perdre la flotte. Pas grave. Est-ce que j'avais fait une autre flotte ici? 3, 4, 5, 10. Donc ici j'ai une flotte complète.
flotte. J'ai fait une flotte complète, donc cette flotte là, ça fait 3 flottes de commerce. 4 avec là, 1, 2, 3, 4, 5. J'en aurai une de rame, c'est pas grave. Mais vous que j'en ai une de plus que pas assez. Ça en fait déjà 3. Ça en fait déjà 2 pour les deux là, ou pour les deux là. On verra bien. Je vais laisser venir sur la forteresse. Si jamais il faut une bifurcation ici, ça ira. Enfin, il y aura, ça fait toujours quand même du pognon en moins pour eux. Au pire, bah, ils attaquent cette forteresse là. J'aurais pas une grosse garnison, mais ça tiendra quand même. On va pas se plaindre non plus. C'est pas comme s'il y avait rien du tout. Hein. Ah, une petite cinématique. 95% de réussite, à mon avis. On réussit, hein, y a pas de raison. Voilà. Très bel assassinat. Ça dressera un peu mes ennemis. Hop. Ça aurait pu me faire beaucoup de dégâts, ils m'ont pas envoyé en première ligne. Tant mieux. Une forteresse comme ça. Alors à savoir qu'il y en a qui m'ont parlé, mais il y a un mode effectivement qui agrandit un map du Japon. Qui est extraordinaire. Je vais sûrement perdre des moines dans l'histoire. Un petit peu graphique. きっと Voilà. Alors. En quand même, France est quand même une magnifique forteresse. À 3 niveaux. Le souci, c'est qu'il faut que je sache par où ils viennent. Voilà. Ok. Donc les deux groupes d'armée sont sur la droite. Alors, bon, je vais commencer comme ça.
Ici, on va faire lancer au combat. Alors, comme toujours, quand ils viennent de cette manière-là un peu partout, ça m'arrange pas. Après, oublions pas que j'ai des unités qui sont excellents corps à corps. Et eux, ils vont attaquer par là. Donc s'ils montent ici, j'aurai déjà une première salve des plus intéressantes. Que je viens de voir, à mon avis, je pense savoir comment ça se passe. Il bifurque sur la droite. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un truc tout bête, mais qui pourrait sauver des hommes. Ouais, c'est bon, il regroupe tout, ok. Voilà. Sans de précision. Oh, les dégâts que je fais. Et encore là, je pense que c'est rien du tout parce que les... C'est quoi? J'ai envoyé deux unités là-bas. Oh punaise, son mag barré. Pourquoi c'est important, cette compétence, ça permet d'amener du malus au moral, hein. Ça vous en avez déjà rendu compte. Ouais, on voit qu'ils sont en train d'essayer de faire des duels d'archers, c'est un peu la pire idée qu'ils ont jamais eue. Et en fait ça permet de réduire leur sat en faisant ça. Donc ça va permettre de faire fuir une partie de leurs troupes. Voilà, j'ai déjà pété une de leurs unités. Sans que j'ai trois à combattre. Et de l'autre côté, bah, vous voyez, ils sont en train de forcer pour forcer.
là. Ah, je pense que je me fais beaucoup de TK par contre. Et si vous faites bien attention, j'utilise progressivement la compétence pour effectivement mettre le plus gros malus possible sur les troupes ennemies. Ici, je vais en amener deux de plus. Des samouraïs Yari qui ont perdu je sais pas combien d'hommes déjà. Allez-y, venez. Offrez-vous à moi. Et voilà, vous voyez la fatigue, ça tue beaucoup d'hommes, la fatigue. Qu'un détachement d'archers. Ok, bah toi, tu vas te replier ici. Donc vous deux, vous allez venir ici. Okay. Voilà. Si vous faites attention, en fait, tout ce que je fais, le but, c'est tout pour économiser mes troupes. Le but, c'est en fait le seul but que j'ai là, c'est de ne pas perdre une escouade intégralement. Si je perds pas une escouade intégralement, je pourrais la reformer. Ça m'arrange. Parce que pour y produire des unités aussi fortes, vous avez remarqué que j'ai qu'un lieu de production pour produire ce type d'unité aussi cinglée. Donc c'est très important, effectivement. De réussir autant que possible à les sauvegarder. C'est comme eux. Bah, c'est 4 unités A par exemple. Le but c'est qu'ils y aillent. Oui, vous rêvez pas. Vous voyez beaucoup de troupes ennemies en train de fuir. C'est pas une blague. Voilà, c'est pour ça que les moines sont forts. Très très forts. Ouais, encore, j'ai pas visé toutes mes flèches de moines. Donc c'est... Mais mes meilleurs bretteurs du Japon ne tiennent pas face à une pluie de flèches dévastatrices. D'ailleurs, toi tu vas te replier et j'ai envoyé deux renforts en plus. Voilà, c'est... Bienvenue au Japon. Voilà, victoire. Voilà. Je pensais que ça serait plus dur, mais globalement, non.
Quand je vous dis des moines Naginata, c'est la meilleure unité du jeu. Voilà, j'ai perdu 423 hommes, j'en ai tué 3002, ils ont perdu 4005, ils avaient 7000 hommes. 438, voilà. Et mes archers, si vous posez la question, 234, 160, 400, voilà. Il y en a qu'un qui n'en a pas fait beaucoup, mais c'est celui que j'ai beaucoup fait naviguer de mémoire. Donc voilà, je pense que ça résume intégralement la puissance de ce que c'était. Alors pour ceux qui se posent la question, je vais raser mon ancien vassal. Je ne vais pas le recréer, j'en ai plus besoin à l'heure d'aujourd'hui. J'ai mis en déroute l'armée Shozokabe parce qu'ils ont perdu le Demio. Ah non, même pas. Oh bah si tu veux. Même pas ils attaquent. Voilà, Asai, vas-y. Asai, descendez. D'accord, je vois le nombre de batailles épiques. Enfin, batailles légendaires, c'est des batailles qui ont été très dures. Envoyez de nombreux navires de commerce à cet endroit pour un partage croissant des marchandises ou bien piller les routes commerciales ennemies pour empêcher les revenus d'atteindre leur destination illégale. Souvenez-vous cependant qu'attaquer le commerce est un acte de guerre. Alors, vu ma situation, un acte de guerre, je suis déjà en guerre, donc ça change rien du tout. Absolument rien. Là, ce qui va sûrement se passer. Alors, on va juste sauvegarder avant. Et juste par curiosité, voir combien d'hommes je perds. Non, je vais à faire. Point. Pas possible que je perde autant d'hommes. Après, au moins, c'est réparti sur tous les trucs. Voilà. Allez, hop. Après, si je pulvérise toutes leurs armées aussi, est-ce qu'après c'est un problème? Je ne pense pas. Ouais, on a eu, j'aurais perdu tellement moins d'hommes si je l'aurais fait, mais. Ici 66, voilà. On voit quand même la différence, sauf que le souci c'est qu'il faut quand même que j'avance un petit peu. Alors deux possibilités, soit je remonte sur la côte de Buzen Bungo, soit je descends. Je vais plutôt préférer descendre sur le coup. Cette armée là avance, donc on va être bon. Influence chrétienne avoisinante. Ok. Pas une petite influence chrétienne, hein. On va pas se mentir. Ah, celle-ci. Petit pirate Wako. Non, putain, vous faites chier à perdre un navire. C'est vrai qu'ici il y en a un de plus, mais bon, ça m'embête quoi, putain. J'essaie d'éviter de perdre des hommes et je perds un navire. Allez. Voilà, comme ça, ça sera fait. Oh bah ici, oh bah on a... Oh putain. Alors là par contre ça peut être... Alors si jamais ils me prennent pas cette ville là et que je prends ça... Alors j'ai même envie de dire, c'est pas grave qu'ils prennent ça, je rush la capitale, je prends la capitale.
Une fois que j'ai pris un capital, ouais, ils auront plus de quoi produire des grosses unités, ils auront perdu tout leur truc de prod. On sera tranquille. Allez, vendu. Fin de tour. Ah, j'ai oublié. Quelques armées. En tout cas, voilà, les Shimazu sont, sont rasés. Ils ont quand même perdu, je pense, énormément d'hommes là. On va dire, ils ont perdu 7000 hommes. Ils sont chiants, hein, leur missionnaire. Hein. Quand on y pense, ils sont quand même contraignants. Hein. Ouais, là, on a une grosse bataille à faire. Alors, on va sûrement la perdre. On va pas se mentir. Par contre, si je tue quelques milliers d'hommes, on va pas dire non. Le but de cette bataille-là est sûrement perdue d'avance. Vu le nombre de troupes qu'ils vont m'envoyer. Par contre, si je suis capable de tuer quand même quelques milliers d'hommes, on va pas dire non. Par contre, ce qui pose souci, c'est que j'ai pas d'armée de récup à ce bordel. Quand je dis que j'ai pas d'armée à récup. Alors déjà, juste pour vous montrer, voilà, c'est une des rares unités féminines du jeu. Ce qui est quand même plutôt cool, c'est parmi même mes premières unités avec des femmes dedans, hein. Dans un Total War moderne, donc c'est ultra cool. Et en fait, au niveau lore, femme constituée de femmes gardes Nagnatar, une longue dash. Femme sonore du clan Namuto est décrite comme étant particulièrement belle, au teint pâle, les cheveux longs, grande archère remarquable. En gros, les Onabuchi, c'est souvent les femmes de samouraï. Alors, souvent, pas tout le temps, bien évidemment. Alors, par contre, il y a un truc qui peut m'intéresser, là, je suis en train de me dire. Ils ont beaucoup trop d'archers, c'est le gros problème que j'ai, c'est qu'ils ont trop d'archers. Donc après je tuerai leur général, ça serait un grand coup, mais... J'ai limite envie en fait de les laisser venir sur le deuxième palier. Le problème c'est que... Oui. Attendez, quoique non, attendez. Si, descendez, j'avais raison. Descendez. Bon bah. Quatre qui sont tombés. Oh, c'est tour pareil, même c'est que quelques unités, parfois juste tuer quelques unités, c'est parfois gagner une victoire. Hein. Toute unité définitive qui est tuée, c'est énorme. Hein. Nous sommes emparés de leur tour, monseigneur. Oh, c'est peut-être pas grave. Ça, c'était pas la plus belle. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont?
Voilà. Par contre, mes grenades sont balancées, c'est un problème. J'aurais pu foutre ici un mur. Bon, j'aurais dû garder tout en haut, tant pis. J'ai voulu jouer, je perds. Tant pis, ça arrive. Tueur général, priorité absolue. Nos hommes fuient le champ de bataille. Quelle honte. C'est le genre de bataille qui peut se reposer juste sur le fait d'avoir tué un général. Donc, tout se régénérale. Oui, je sais, c'est H. Mais j'en ai rien à faire. Voilà. Voilà, là, je suis en train de me combattre sur toute ma ligne de front. Avec des vassaux samouraïs, avec... Le fait d'avoir tueur général m'aide un peu, on va pas se mentir pour Emorag. Mais j'avoue que j'aurais regroupé mes vassaux hautes avec le truc qui permet de réduire la fatigue, ça aurait pu être un excellent plan. Après, là on n'est pas trop mal. Hein. Je vais dire là, ils sont pas forcément bien non plus. Là. Ça fait une unité en moins, une unité qui part en déroute.
Ouais. C'est pour ça. J'aurais dû garder mes Ashigaru, je pense. Tant pis. Ce qui est fait, de toute façon, à un moment. Attendez, je rêve ou... Attendez, je rêve ou... Où ils sont en train de partir en déroute. Ouais, bah, je crois que j'ai gagné, hein. Et par contre, c'est pas une petite victoire que je suis en train de faire. Bon bah... C'était pas prévu que je la gagne. Voilà, vive les forteresses. Non mais entre les, je pense entre les hommes qu'ils ont dû perdre dans mon temps, il y a... Il y a 680 hommes en face. Plus l'hiver va encore en tuer quelques-uns, donc ils vont être 600 je pense, peut-être un peu moins, ou un peu plus. 600, 620 peut-être. On va sûrement perdre une quarantaine, quelques dizaines. Non, ça fait même pas celle-là, aucun intérêt. Autant elle sera d'un niveau au-dessus, je me dis qu'il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen d'essayer de faire un truc. Ah putain! Il y a une rébellion. J'ai totalement oublié la rébellion dans mon territoire. Voilà. J'ai totalement oublié. Garnison s'est un peu reconstitué, donc c'est ça, c'est par contre c'est le très bon point. Ici. Comme prévu, voilà. Ils sont arrêtés là. Ben, on prend la capitale. Comme ça, on bousille encore un peu plus l'économie Shozokabe. On va regarder une petite chose, c'est les Shimazu. Je suis curieux de voir leur puissance. Je pense que leur puissance a dû dégringoler dans le classement. Enfin, dans le classement. Il n'y a pas de classement dans le jeu, je sais. Mais vous m'avez compris. Oui, je vais voir, à mon avis, ici, les Shimazu. Ah, toujours terrifiant. Non, j'ai rien dit. Ah, ben, il y a Anevi aussi, punaise. C'est vrai que j'oublie toujours que Anevi, elle... ça a tendance à fausser les stats. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre Igo. Oh, putain. Bon, ben, hop. On a compris un truc. Ici, j'ai tout réparé les foutus problèmes. Pareil, chose de KB, à mon avis, quand ça, ils doivent commencer à faiblir, je pense. Ouais, il y avait une armée là.
Ouais, effectivement, ça peut être vraiment. Et Shimazu, ils ont deux trucs pour faire rapidement des navires améliorés. Voilà, on va pas en dire plus, mais le cœur y est. De toute façon, on va pas pouvoir faire grand-chose de plus. Eux, ils ont fait le taf en récupérant. Ah, comme ça, au moins. Et ils me foutent la paix. Même si je perds un certain nombre de navires. Au moins. J'ai libéré le port. Ils remontent, ils sont là. Ils sont prêts à frapper des deux côtés. Voilà, pour le moment, on est bien. Il y a juste ici, on se replie parce que j'ai pas envie d'affronter. J'ai pas envie d'affronter. Autant cette armée serait en pleine capacité, j'hésiterais pas à l'affronter. Là, je suis affaibli. Finalement, mauvaise décision. J'aurais dû partir sur la forteresse du Nord. Tant pis. J'ai pris une mauvaise décision sur ce coup-là. Bon, après, ça arrive. Hein. Je vais dire ça. Ça arrive à tout le monde de se planter. Il y a aussi la révolte, je pense. Ce serait bien, ça serait de finir au moins les choses au KB, ça nous ferait un certain nombre d'ennemis en moins. Et Shimu, ah bah. Vous savez ce que ça veut dire? Je prends leur dernière ville, les choses au KB n'existent plus là. Ça veut dire ça actuellement. Question de ce meilleur bois disponible largement accru efficacité parce qu'on contrôle tout le bois. Merci de me laisser le coton. Voilà. Voilà. J'ai un des nœuds commerciaux, acquisition du coton. La courbe prime pour améliorer la productivité, etc. Je vais pas prendre le risque d'endommager cette flotte est trop importante. Voilà. Par contre, je vais pas hésiter un seul instant. Bon bah ils ont regroupé des troupes eux. Voilà. Bah en automatique, vous voyez, c'est ultra simple. Par contre, en automatique, l'autre j'aurais perdu. Par contre, ici, vu que je l'ai fait, je la gagne. Voilà, c'est ça qu'on se rend compte que de certaines choses et de certaines situations. Tu vas rester là parce que s'il faut bouger à gauche, j'ai envie que tu puisses bouger. Voilà. Cool. Alors, grand clan anéanti, les choses au cabri. Voilà, fais-toi trancher la tête, on n'en parle plus. Voilà, ça fait un grand clan en moins, ça fait un ennemi en moins. Voilà, débat clos. Voilà. La coalition ennemie est en train de s'effondrer. Là, ça a provoqué aussi une chose, c'est que maintenant ce port de commerce est maintenant libéré.
Bah, ici, toi, t'es bon. Tu me répares ces bateaux-là. On sera tranquille. Donc, l'île-là est repris. Ici, on a repris quelques territoires. Donc, on est bon. Là. Ici, je pense pas. Ouais, aucune perte. Allez, hop. T'as mangé de troupes en différence. Voilà. Allez, hop. Ça, je vous cache pas, quand escader des forteresses quand il y a autant d'archers, c'est chiant. Hein. Voilà. Allez, hop. Voilà. Cette armée va maintenant remonter. Cette armée là va aller ici pour récupérer là. Voilà. Non, on va tout récupérer. Plein de moines. Maître bâtisseur, voilà. Idéalement après, si tu peux me pulvériser la forteresse de Bungo, ça serait très bien. Ça me permet d'ouvrir encore ici. Bien qu'à mon avis, je pense qu'Armée va monter pour arriver là. Mais voilà, après il reste 1, 2, 3, 4, 5 forteresses. Il reste 5 forteresses ennemies à prendre. Quelques nœuds commerciaux. Mais bon, les nœuds commerciaux, ça va être rapidement pris, ça. Ne vous en faites pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à 9 ici. C'est quoi? Continue encore moi à entraîner des bounets. On va prévoir lourd. Ouais, je sais, il n'y a plus trop de challenge. On arrive au bout de la campagne. Faut qu'on la finisse hein, malgré tout. Hein, qu'on crique avec leur... J'ai eu raison d'attendre. Notez qu'on a notre vassal qui va et les Mori qui vont récupérer le reste de débris d'armée qui est sur mon territoire. Donc ça, c'est très bien. Les Asai m'ont aidé quand même sur cette ville-là. Donc merci à eux. Putain, elle était que ce rang là. Oh, ça me fait cric par contre. Ils vont vraiment me faire cric le foutu missionnaire là. Hein. Grâce à une mamie sur rien comme ça avec de grands nombres de puissances étrangères. Non. Oui, j'ai rasé le truc, heureusement. Je suis pas fog non plus, attendez. Bon. Oda Nobunaga, le fils. On a pris cette ville. Allez, hop. Donc là on est bon. Ici il faut que je fasse ce bâtiment là. Le monastère, il est là. Ça, c'est là. Voilà.
Tu me fous toi ce putain de pont. Si tu serais resté au pont, j'aurais pas eu ce problème. Ouais, le bouddhiste revient vite quand même. Attends, cette ville-là, au lieu que ça me donne 4, ça me donne 6 de croissance. Donc, ça n'a pas tué quand même beaucoup de personnes, hein. Enfin, quoique en cavalier, ah si, quand même 11-11 ici. Ah, ici, ils sont plus que 135. Ouais, quoique, ça a quand même tué pas mal d'hommes quand même, cet hiver. Satsuma, ouais, ça commence vraiment à arriver au cœur des problèmes. J'ai même pas regardé la tech que je faisais. L'ennemi s'est replié quand même. Pas voulu prendre le risque. Je me suis dit que c'était pas la bonne idée. École légendaire construit. Fameux archer, les héros qui sont que 40 mais qui sont des stats abusé. Voilà. Voilà, y a pas d'autre mot à dire, à part dire que ce sont des stats totalement fumés. Et hop, de l'encens. Expert de lance, ok. Ouais, on peut faire ça, l'école légendaire. Ah, c'est bien des fusils à mèche, normalement. Faut que j'arrive à débarquer ici en fait, on a un tour. Voilà. On est en train de recruter des moines. Pas des moines, des... Armurerie, tiens d'ailleurs. Wow, ça permet de recruter les meilleures unités sur une petite armée juste de héros. Juste par curiosité, qu'est-ce qu'ils ont comme armée eux? Vraiment une armée de
dégueulasse. C'est vraiment une armée de gros dégueulasse. Voilà. Comme ça, cette flottille là, elle est débloquée. Ici, l'avantage, c'est comme je contrôle la zone d'interdiction, là, ils peuvent pas passer. Donc, on est très bien aussi. Après, j'ai juste à faire ici. Idéalement, normalement, si j'embarque là, je peux débarquer ici. Donc, au moins, j'aurai une deuxième armée sur le continent là. Et je pourrais effectivement faire deux fronts. Ouais, de toute façon. Vraiment à m'emmerder, Shimazu. Ah, j'ai oublié ma flotte, vais refaire. Qui va faire un tour en haute mer, donc elle va perdre des bâtiments. La tour placée sur cette embarcation permet à l'équipage de faire pleuvoir des flèches sur les navires ennemis. Il sera difficile de repousser l'abordage d'un plus grand bateau. Maîtrise de Jutsu. Sojutsu, excusez-moi. Oui, vas-y, continue. Toi ici, redescends là. Voilà. Les navires ont été endommagés. De toute façon, toi tu vas remonter maintenant que tu t'es fait endommager. Pas qu'un peu en plus. Oh, pourquoi je vais raser ce bateau, dites-moi. Pourquoi j'ai été bête? Pourquoi j'ai été bête? Tant pis, j'ai été bête. J'ai été bête. Après voilà, s'il monopolise deux armées ici qui m'attaquent sur le pont, j'ai juste à les attendre qu'ils sortent. En fait, j'aurais une meilleure portée qu'eux, juste à attendre qu'ils sortent du pont et c'est gagné en fait. C'est aussi simple que ça. Ici, diplomatie, il faut jouer un petit truc. Le mec commence à devenir inamical. Ouais, les vassaux vont se réveiller à terme. Oh oui, ça fait bizarre de se dire que je viens de supprimer tout ça comme troupe. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est-à-dire que j'aurai encore des meilleurs, c'est-à-dire que j'aurai des meilleures troupes que des troupes là quand même. Quand même fort. Hein. J'ai oublié de regarder le l'ancien. Ouais, il faut que je l'enregistre. J'aurai des pertes, ça c'est un fait, mais. Pas une bonne map. Pas une bonne map du tout.
si le gars était très loin d'un flanc ou l'autre, il n'y aurait pas ce risque-là. Il y a un peu de clipping. お父上が落胆することは決してないものと確信する。覚悟立派な軍勢を率いるなど天の思し召しに他ならん。敵軍の指揮は藩主自ら取っておるようじゃ。あの首を取った者には褒美を与えるぞ。この島津の武者どもは名門の末裔だが、 系譜が長いだけに気高き地も今となっては相当薄まっておるじゃろう。今日敵が橋を渡ってくるのを阻むが大事。奴らの一歩一歩に血が代償となることを知らしめてやれ。一刻も早く敵と戦いたい。武士の誇りと勝利を。またドワーマ、cette bataille commencée。 Ok, je viens de comprendre. Ma souris est sortie de l'écran, excusez-moi. Je sais pas pourquoi il veut pas. Il y a des trucs à des moments. Il y a des trucs que je comprends pas. Oh punaise! Ah ouais, je suis carrément à level max, ok. Oh, quel intérêt de ce que j'ai fait? Pour ceux qui se posent la question. En fait, ce dispositif-là, je suis totalement d'accord avec vous, il est dégueulasse. Mais totalement. Mais c'est pas trop grave, pour une raison simple, c'est que ça quand même me permettre de protéger un minimum mes archers. Pas forcément le meilleur dispositif que j'ai fait. Il y en a effectivement un peu partout. Mais ça va quand même servir. Oh putain de merde. Est-ce qu'au moins ils vont pas. Là, c'est un gros problème. Après, si toute leur infanterie passe au mont au centre, ce sera déjà un problème de moins. Je
Oh bordel. Voilà, à gauche, c'est bon. Voilà, maintenant on va se replier. On a bien fait joujou avec leurs troupes. Voilà. Voilà. Maintenant, on ramène les renforts. Je pense que mes archers, ils ont fait un café monumental, malgré quelques pertes là. De toute façon, ouais, il n'y a rien qu'à voir en fait le champ de bataille. On a compris qu'il s'est passé un problème chez les ennemis. Voilà. Donc maintenant, les ennemis. Donc quoi, ils partent en déroute. Alors, truc drôle, ils ont envoyé la cavalerie sur la droite pour me contourner. Par contre, ils ont regroupé toute leur infanterie. Pour une attaque par le centre. Ok. Ça ne fait aucun sens, mais pourquoi pas. Voilà, j'ai vraiment paniqué, j'ai vraiment cru qu'ils allaient me déborder avec toute leur deuxième et troisième armée par le flanc. Non, ils ont envoyé que la cavalerie. Alors, je comprends la logique d'envoyer la cavalerie sur un flanc, mais là, sur le coup, ça les a juste coûté leur défaite, en fait. Prochaine volée de flèches, je veux que ce soit que de l'incendiaire, je veux vous m'ébrouiller tous. À côté de ça, maintenant, vous allez me balancer des flèches sifflantes. Quel intérêt des flèches sifflantes, baisser le moral ennemi. Voilà. Ah oui, là vous êtes en train de vous rendre compte qu'avec les flèches j'ai décimé quasiment 200 ou 300 hommes avant même d'entrer en contact. C'est un peu le but. Voilà. Le but c'était un peu de raser leur armée. Voilà. Que mes archers s'en profitent. Voilà, fini. Oui, j'ai encore tué plus de personnes que dans la forteresse. Ouais, tu peux me détourer à faute. J'en ai rien à faire.
Nous étions cachemiteurs que c'était passé en territoire à occasion été ramené à notre province pour 25% de coût de recrutement. C'est bien ça. Ninja. C'est bon. J'ai rien perdu non plus. Ouais, là par contre, leur armée a été. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai ripop toutes mes troupes. Et j'ai dévasté leurs armées. Voir si je peux terrasser ça avant. Mais voilà, les archers, maintenant, voilà, mes troupes que j'ai sont à un niveau trop élevé. Plaisir de faire ce qu'ils font, qu'ils le font, qu'ils le fassent. Ça me change rien, hein, moi, à ma partie. Ils gagnent quoi, quelques tours. Bon, au moins, j'ai construit partout des châteaux. Toi, il te manque 3 hommes. Est-ce que tu es en mesure de me prendre cette forteresse? Si oui, vas-y. Voilà, il n'y a plus la forteresse. C'était pas prévu qu'ils réussissent, mais. Tant mieux. Voilà, encore une fois. Moi, je me pose quand même une question, Shimazu. Voilà, ils sont plus riches et puissants. Ils sont plus. Ouais, puissants, c'est déjà ce qu'ils étaient tout à l'heure. Ils étaient terrifiants de terre. Dans tous les cas, ouais, on a fait céder quand même une bonne partie de leurs troupes au Shimazu. Après, prendre Igo, Satsuma et votre armée. Cette armée là, on va mettre quoi, 2 tours à se reconstituer. Putain, 4. 4 tours, ok. Quoique peut-être moins quand j'aurai reconstitué une partie des bâtiments. C'est pas grave, au pire ils avanceront plus lentement que prévu et ça se passera quand même malgré tout. On verra bien comment on s'y prend. Ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il y a une armée qui assiège Kyoto et pendant que l'autre attaque l'armée, ça permettra effectivement d'éliminer leurs deux armées centraux que j'ai à combattre. Ici, de toute façon, il faut que je fasse ce bateau-là. 4, 5. Ça serait beau de pouvoir faire le dernier navire de commerce, mais bon. Mes Bunelours sont en train de sécuriser un petit peu la situation. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Voilà. Donc on est bon. Ici.
cette fois-ci la terre n'a pas encore été reconstituée, ok. Touk 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 touk, on est bon. Tarmea se prépare une trahison de leur part. M'attaque. Enfin, sincèrement, c'est même plus une armée, ça. Je veux bien, mais c'est même pas une armée, ce qu'il vient de m'envoyer. Je suis désolé, c'est même pas une armée. C'est des lambeaux d'armée, c'est rien du tout, putain. Mais sincèrement, il m'envoie des trucs... Ouais, vas-y, prends-moi la ville. Vas-y, fais-toi plaisir, allez. T'inquiète pas, je viens récupérer ça derrière. Des flèches rapides comme le vent, des yeux perçants comme ceux du faucon. Ces archers sont totalement dévoués à la maîtrise de l'arc. Les cibles ont la vie courte quand leurs flèches prennent leur envol. Ah. Comme fourbe de fond. Ici, alors. Étrangement, une flotte de Bunéour, ça mouche plus. Comme par hasard. D'un coup, ça donne plus envie de se défendre. Voilà, comme ça au moins, j'ai en sang. En son anonésie. Alors, on va commencer aussi à faire un petit truc. Outre le fait de commencer à construire une armée de héros. Je vais commencer à vous faire un peu toutes les unités. Pour vous dire toutes les cinématiques. Ashigaru Amesh, ça, on n'a pas eu ces cinématiques là. Voilà. Je vais commencer à lancer un peu toutes. Comme ça au moins vous aurez toutes les cinématiques de toutes les unités. Vous les aurez toutes vues pendant cette campagne. Bah finalement, en deux tours, ça sera reconstitué, voyez-vous. Allez hop. Cible d'opportunité, c'était pas prévu que je puisse aller aussi loin, mais j'ai pu y aller, donc on prend la ville. On n'en parle plus. Ito. Voilà. Tu me brasses ça. Caserne, je garde. Ça, je garde. La caserne m'a permis de me recostumer les troupes, mais à une vitesse phénoménale. Ici. Tu prends Igo. Voilà, ils ont une petite armée de défense à côté. Mais je pulvérise la ville. Voilà, les Shimazu sont en train de tomber. Après, effectivement, une fois qu'on commence à avoir les bonnes armées, vous avez remarqué que ça se passait tout seul. C'est ça, quand vous attaquez, oui. Tu prends cette compétence-là.
Voilà, donc ça tu meuras, ça tu meuras, ça tu... Ça on peut garder. Non, on peut pas garder parce qu'il faut que je fasse un autre bâtiment à place. Chaque mètre de terrain sera très important. Ici on développe, développe. Alors ici, on va faire le campement. On a commencé ici à produire 4 unités. Voilà, 4 unités de héros. Toc, 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 toi cette flotte là, je l'ai reconstituée, donc toi vous allez pouvoir repartir là-haut. Ici deux comptoirs commerciaux au niveau de mes flottes. C'est des Bunego, donc c'est pas les bonnes flottes ça. Attends, en envoyant autant de navires, j'ai perdu. Voilà, merci. Merci, j'ai gagné. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rigueur, temporairement, vous allez vous mettre là, vous. Ici, on va annuler tout ça. Ouais, ça, j'en aurai assez ici. Je pense qu'avec tout ce que j'ai déjà... À rigueur, cette flotte-là, on va couler. Section à garde, section à garde, section à garde. Celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Celle-ci aussi, celle-ci aussi. Ok, on va garder quand même pas mal de flottes. Et les Shimazu sont retournés à leur terre de départ, c'est-à-dire leurs deux provinces initiaux. Une province initiale, excusez-moi, pas initiaux, initiale. J'aurais dû faire la bataille. Unité de choc, les cavaliers katana excellent face à la cavalerie ennemie, mais sont vulnérables aux piques et aux arcs. Pas au corps à corps, ils sont très bons, mais par contre, bah, ça paraît logique. Faire abattre une pluie de feu sur l'ennemi sape le moral de l'adversaire et ravage les fondations de ses bâtiments. Ces hommes sont efficaces pour le combat à distance et ont un effet considérable sur le moral ennemi, mais ils doivent se retirer avant d'engager un combat rapproché, au risque d'être massacrés. Idéal pour pourchasser des ennemis en retraite ou faire fuir l'artillerie, ces cavaliers légers et rapides sont vulnérables face à une infanterie bien entraînée. Ces archers montés peuvent se mouvoir très rapidement. Ils sont capables de tirer en étant à cheval, aussi bien qu'à pied. Les cavaliers Yari sont faits pour chasser les ennemis en retraite, mais connaissent de grandes pertes face aux piquiers et à l'artillerie.
Maître éleveur de chevaux, mais à chaque fois, vous voyez, progressivement, on les a tous les bonus un par un, donc... c'est toujours les mêmes. Ça change juste, effectivement, à chaque fois de bonus entre les chevaux, etc. Mais ça reste toujours le même truc, moins 25% à chaque fois le bonus. Bon, après, je sais que c'est pas important que je remonte. Là-haut, c'est une, c'est une diversion. Là, le but, c'est de, c'est de finir de prendre l'île, péter Shimazu, les rebelles. Après, je les flinguerai tranquillement derrière. C'est pas un problème, ça. La priorité, c'est de récupérer l'île. Voilà, hop. Et bah, je peux même. Bonus opportunité, je récupère la ville. Voilà. Je pensais pas que je pouvais faire le dépassement jusque là, mais j'ai pu donc au final. Hop. Ça, c'est bon. Voilà, hop. Ensuite, ici. Donc maintenant que j'ai produit ces unités-là, on va produire archer samouraï, samouraï Yari, katana, naginata on les a déjà vus, nodachi, mangono incendiaire. Ici, est-ce qu'ils peuvent produire un truc en plus que je ne peux pas produire? Non. Et là-haut, est-ce que je peux produire une unité que je ne peux pas produire? Non, je peux rien faire de plus. Ok. Donc on est bon. Vous descendez. Non, vous allez passer par là. J'ai oublié de réparer cette flotte. Notez, hein, Goubli, hein, de la remettre dans le port pour la réparer. Que ça m'arrive tout le temps. J'ai l'impression de toujours oublier ce truc là. Donc ça c'est bon. L'école légendaire du jutsu, je vais pouvoir le faire tour d'après. Ça c'est bon. Ici c'est bon. Ah bah eux ils sont full populaires. Et ils viendront récupérer cette armée. Et quand je pense, ça fait je sais pas combien de tours de tente de faire ce truc là et que j'ai toujours pas fait. Ils seront 5, eux ils seront 6, on sera bon, il y aura un navire en plus que prévu, on est bon. Et ben voilà, on a fini. J'ai oublié la villa, bien vu. L'héritier du avec 5 étoiles, vous voyez, l'héritier est quand même bien monté. C'est vraiment casse-couille. Hein. Jusqu'au bout. Ouais, cette défense là, je vais la faire. A mon avis, je peux, avec la garnison, je peux la tenir, je pense. Il suffit que je sacrifie pas Meyari comme un dernier coup, ça va bien se passer. J'ai perdu 3 images, je suis en train de me rendre compte.
Alors, 3 images depuis le début du stream, hein, pour information. Voilà, c'est quand même pas une grosse perte d'images. Voilà, c'est quand même toujours intéressant. J'ai quand même un bonus d'attaque quand même sur toutes mes troupes. Ça touche pas les flèches, non, ça touche que le corps à corps. Voilà, et oubliez pas, c'est des garnisons Yari. Donc c'est pas aussi bon que mes Yari Oda. Pour information, je préfère le dire parce que bon, il y en a qui le savent pas, mais c'est les garnisons ne sont pas des Yari, ne sont pas aussi bons que les Yari. Enfin, toutes les garnisons n'ont pas des aussi bons Ashigaru, j'ai dit, tout formé comme ça que les originaux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les... Voilà. Merci. Putain, encore ce bug. Encore ce bug d'unité qui ne veut pas aller sur un muraille. Génial. Voilà, comment... S'il te plaît, prends ta putain de position sur ta putain de muraille. Merci. Nous nous sommes emparés de leur tour, monseigneur. Toujours pas, hein. Ils sont toujours pas sur leur muraille. Hein. Oh là 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 là, catastrophe. Bon ben, en tout cas, mes Yari ont fait le café. Hein. T'as pas prévu que je fasse la bataille qu'avec des Yari, mais bon. Les hommes sont rompus, monseigneur. Certains ont grand besoin de repos. Bon. Ça se voit que quand même, c'est quand même un vieux jeu quand même. Juste en fait le pass-fighting. Quoique il y a des trucs sur, quand même, sur les nouveaux Total War qui sont quand même un peu bizarres. Les archers samouraïs sont des guerriers puissants. Ils peuvent se défendre en combat rapproché et tirent des flèches enflammées sur l'ennemi. Expert en sabre. Alors, ici. Voilà, le coton. Ah, punaise. Ah, tu vas me récupérer cette forteresse. Merci, au revoir. Voilà, comme ça au moins on n'en parle plus. Forteresse récupérée, pacifiée. Grand clan anéanti, les Shimazu.
il y a peut-être un peu trop. Ils se plantent en bas, ils s'ouvrent le bas, puis ils se font trancher à terre. Ils se font scène de couture. Pas scène de couture. J'ai plus le terme exact de cela. Enfin. Je sais pas que je peux en faire plusieurs de jeux de maître. Ah ok, ça c'est le prochain tour. Ok. Prochain tour, campement. Ok. Au niveau des flottes. Donc. Couler. Voilà. Celle-ci, je peux la garder, mais je vais la couler, j'en ai plus besoin. Celle-ci, je vais l'envoyer en mission là. Toi, tu vas partir là. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu peux être coulé aussi. Toi, la flotte là-haut, tu vas partir là. Cette flotte de Bouniga. Non, je dois te garder. Ok, on sera bon. Enfin, on sera bon. Pour mon plan. Je peux reconstruire un peu. Et après, ok, je peux construire le dojo de maître un peu partout. Puis après, je pourrais construire le dojo légendaire. De toute façon, on arrive au bout du bout du bout du bout de cette campagne. Voilà, ça, ça monte, ça va là. Toi, tu restes où t'es. Je sauvegarde juste que s'ils sont pas capables de défendre en automatique, je la fais manuellement. Contrairement aux Ashigaru Yari, les samouraïs Ashigaru possèdent la capacité de se défendre eux-mêmes en combat rapproché et sont plus efficaces contre la cavalerie ennemie. Moins efficace contre des katanas. Même le plus grand château fort ne pourrait résister contre ces boules de feu. À distance, ces projectiles sont d'une efficacité incroyable. J'aime pas les armes de siège. L'usage du Nodachi requiert une grande technique. Sa taille rend vulnérable en défense rapprochée, mais pour la charge, cette arme est mortelle. Monseigneur Zomon, tu remets de forgeron. Voilà, grande réserve. Dans tous les forgerons de la map. Je sais, c'est impressionnant quand même tout ce que j'ai récupéré. Alors ici, faire ça. Hop. J'envoie juste un navire là et le reste va aller là. On va construire encore une âme de jeune maître.
Voilà, et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais commencer à raser mes vassaux. Pas que je les aime pas, mais à un moment donné... Est-ce qu'on a encore vraiment besoin d'eux? Moi, je pense pas. Moi, je pense que nos vassaux, ils ont fait leur temps. Voilà, bien par contre... Avec l'expérience, il reste pas en mémoire. Expert en sabre. École de maître bretteur. Ici, je commence. Ici, je vais pouvoir recruter. Ces deux unités là, comme ça vous les verrez. Et là-bas, cinq unités, il y en a un trop ici. Normalement en flotte, nickel, les flottes, j'aurais terminé avec les flottes, voilà, toi tu viens ici. Et on récupère cette province ici. Le Bungo. La province des Otomo. Voilà. Ici 4 tours. Ensuite j'irai chercher. De toute façon je suis en train de finir les derniers bâtiments. Ah, à Shigaru, il n'y a pas une cinématique pour ça. Tant pis, je pensais. Ici on va pouvoir faire ça. Et là on est en train de se rendre compte que l'ordre public est vraiment en train de retourner. Au niveau de la conversion, ça va se convertir à une vitesse phénoménale. Il faut dire aussi qu'on a tellement été embêté par les ennemis. À un moment donné, on va pas dire non. Bah tout ça c'est bon, bah toi tu vas revenir justement au nord. Ouais, là je vais quand même... Là je vais perdre toute ma réputation parce que je vais trahir effectivement mes alliés. Je vais récupérer mes vassaux. Alors, on pourrait me dire ah mais ça sert à rien, tu gagnes quand même 1100, enfin 11000. On fiche. On fiche, j'ai trop de pognon, ça sert plus à rien maintenant, moi les alliés... C'était utile au moment où je les ai faits, c'est tout. À Shigaru, les samouraïs fusils à mèche sont capables de tirer par rang et possèdent un moral excellent. Voilà. J'aime bien cette petite cinématique qu'ils mettent à chaque fois. Ça mange pas de pain, mais c'est vraiment agréable, je trouve. Donc. Tu continues. Merci. Voilà, ici on est tout bon. Dans deux tours, ici c'est bâti. Bingo, j'ai tout lancé. Construction, bingo. Non. Voilà. Niveau des flottes, vous voyez que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un par notre commerce. C'est la seule. Oui, la petite flotte là-bas. La seule qui n'est pas une flotte de commerce, c'est celle-ci qui va être dissoute dès qu'elle m'aura déposé cette armée là-bas. Voilà, je vais commencer à taper mes alliés.
pour la raison que je vous ai dit avant, le but c'est de tout capturer, de tout avoir et de tout contrôler. À cause des traités, la carrière réduira votre réputation diplomatique parmi tous les clans. Oui, je suis au courant. Voilà. Moi j'aurai tout qui sera sous mon contrôle direct. Voilà. Et si vous posez la question, bah violation des traités, moins 200. Voilà. D'ailleurs, on prend violation des traités. Toi, tu vas très vite remonter là pour effectivement te préparer à attaquer ici. Voilà. Nickel. Mais voilà, ça permet de... J'ai mon armée qui va se faire raser en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Pas grave. Commerce s'est effondré, mais c'est pas grave. Hop, voilà. La ville des Mori est repris. Enfin, les Mori, c'est ce naval où on a où c'était le bateau qui était cramé. T'as pas voulu te protéger, bah toi tu vas perdre cette ville là aussi. T'avais qu'à y penser avant. Toc toc toc. Ici, je parie que l'autre est encore en vie parce qu'il y a encore son Demio. Hop. Voilà. Ce petit clan aussi a été rasé. Voilà. S'il est un tout petit peu malin, il peut m'attaquer une de mes villes du bas. Ah, par contre, je vais éviter de faire école légendaire ici. C'est bien ici, ça monte progressivement, c'est très très bien ça. École légendaire, elle va être construite ici. Ensuite, ça sera fait. Je ferai ces technologies là. Comme ça, on aura effectivement les derniers bâtiments uniques qui seront construits. Et comme ça, on aura terminé l'unification du Japon. L'unification qui a quand même été faite en grande partie parce que j'aurai tous les territoires. Tu vois, se retourner vers vous, notre réussite contribue à créer nos légendes. Maladie. Ah mince. Alors ici, tac, tac, toujours plus de richesses, ici, pareil, toujours plus de richesses. C'est ici qu'a été construit l'armurerie.
Allez hop. Une dernière grosse bataille, hein, ça, de toute façon. On arrive sur la fin de la fin. Après, reste Kyoto à prendre. À tenir 4 tours. Tout le monde me déteste, j'en ai rien à faire. À un moment, je vais être franc. Hein. J'en ai plus rien à faire. Là. Là, mon objectif, c'est juste de. Je rentre dans le tas. Et c'est tout. Bon, après, derrière. C'est quoi ce tour, généraux? Et hop, ça s'est attrapé. Vu que c'est de la cavalerie légère, ça va très vite être broyé. Je suis à Shigaru. Ouais, attendez, on arrive à porter. On va tirer des flèches. Ouais, on a tiré des flèches. Oh bah, on est mort. Voilà. À un moment donné. Monseigneur, leur général a été tué. Ils ne s'en remettront pas. Allez hop. Voilà. J'ai juste besoin d'attendre un tout petit peu. J'ai juste broyé hors troupe. Ah voilà. Voilà. Alors cavalerie a été broyée. Très bien. Voilà.
Ici, on n'est pas trop mal. Après, s'il veut jouer un duel d'archer, de toute façon, je ne me reportais que. Donc, je la gagne. En fait, s'il faut qu'on joue en duel d'archer, je le gagne. J'ai une plus grande. C'est surtout que j'ai une meilleure portée qu'eux et mes archers ont une précision de zinzin. Ils ont des stats qui ne sont pas humains. Tac. Ou vous allez vous faire exploser, vous. Bah, le seul but, c'est juste de les exciter un peu pour qu'une fois qu'ils auront plus assez d'archers, ils vont de toute façon me rentrer dedans. Voilà. Voilà. C'est beau, hein? C'est beau quand même. Je suis en train de péter une armée avec des archers. C'est quoi, vous allez y aller aussi? Unité dissimulée, monseigneur, placée intentionnellement pour nous tendre une embuscade. Voilà, hop. Voilà. Allez hop, la bataille a commencé. Et maintenant par contre là, tac. Allez hop! Comme ils ont perdu leur général plus tôt. Qui provoque la déroute, même ça amène un malus de morale sur toutes mes troupes aussi, parce que je suis au corps à corps des ennemis, donc les flèches survolent mes troupes, mais au global ça va plus me servir que me desservir, parce que l'ennemi a un morale déjà plus faible que le mien. Voilà.
que mes archers viennent canarder celui-là. Juste pour vous dire bonjour de ma part. Voilà, toute la ligne ennemie est en train de s'effondrer. Et hop. Rasé. Officiellement, le Japon est presque unifié. Il n'y a plus que mon clan et le shogunat. Il n'y a plus que mon clan et le shogunat après cette bataille. Voilà. Gary Tambo, ok. Et bon, on est bien. Non, école légendaire ici. Ah, Tanganeshina Takana. Il arrive. Toc, toi, tu vas te mettre ici. Toi là-haut, une fois que tu auras fini de reconstituer. Bah attendez, je crois que j'ai fini de les reconstituer déjà. Ouais, bah, je crois que c'est fini. Hein. Tac, tac, tac. Il y avait ce, il y avait cette ville là aussi améliorée. On est bien. Là, c'est l'avantage, c'est comment on peut juste passer les tours, c'est assez rapide. Et là, je vais surtout officiellement finir aussi mon arbre de technologie militaire. Voilà. Ériger école de Kensutsu. La quête d'excellence d'une quête digne de construire une école légendaire de Kensutsu avant qu'un clan important de moindre importance se fasse. Ce Marunanachi est surtout escrimeur célébré. C'est en cours de construction, donc on s'en fiche. Bon, là, on n'a pas eu de. Ces unités qui ont été ajoutées après le jeu de base, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de cinématique ou autre pour eux. Cette armée est au complet. Tac. Voilà, et ça, c'est, tout ça est lancé. Et on va faire vite faire un tour là-bas. Voilà. Voilà. L'école de Jutsu a été construite. Voilà, ici, maître de ninjutsu. En ayant fait ça, ça m'a permis de débloquer quelques petits trucs et bâtiments. Si ça me permet de faire ces bâtiments au level max. Ça me donne limite envie de faire tout ça au dernier level. De toute façon, je crois que j'ai assez d'alimentation, à mon avis, dans tout mon empire pour pouvoir tout avoir à fond. Tac. Allez, on lance les constructions partout. Pas prévu, mais je me dis, ouais, c'est l'occasion. Voilà. C'est-à-dire que j'aurai tout construit
Donc, je Vanilla, vous pouvez pas avoir tout en citadelle, vous n'avez pas assez de nourriture. Parce que les nourritures consomment 5 le dernier level, et vos promesses ne peuvent pas produire plus de 4. Donc, c'est possible que grâce à mon mode. Après, voilà, les coûts par contre sont pas aussi exorbitants quand vous les construisez une citadelle, ça coûte beaucoup moins cher. Que là. Ça, on s'en fiche. Ici, on va pouvoir construire un héros. Non, héroïne de. Voilà. Gamme de. Tac. Héros Yari. Voilà, toutes ces unités, on va pouvoir y construire. Roquette incendiaire, on va pouvoir aussi construire. Tiens, c'est une belle. Tac. Oui, je lance beaucoup de construction, je sais. Et si vous avez fait gaffe en bas à ma trésorerie, j'ai bientôt plus de trésorerie. J'aurais réussi à vider ma trésorerie. Chose improbable. Après, voilà, si on fera un moment. Le but, c'est tout construire en citadelle. Voilà, par tour, je peux en faire deux. Deux voire trois en fonction de ce que je construis à côté. Voilà, vu que j'ai décidé de tout construire. C'est du n'importe quoi. Ouais, attendez. On arrive. Voilà. Ici aussi, on arrive. Hop, voilà. Voyez, on avance les constructions. Idéo en tant qu'arme de siège à distance, ces projectiles sont imprécis, mais dévastateurs lorsqu'ils atteignent leur cible. Voilà. Tout. Bon, tout le monde a compris que j'allais tout construire. Maître en défense, ces hommes peuvent résister à une horde de démons en pleine charge. Leur mur de pique est quasiment impénétrable et la cavalerie ennemie tombe comme des feuilles pendant un orage. Si on a compris, ouais, nous avons construit. Ouais, j'ai lancé tous les trucs à construire. Ninjutsu, ça. Quartier des ombres, ensuite il y aura ça. Tiens, j'ai oublié de te construire, toi. Tiens, sur l'île là-bas, je les ai tous lancés, forteresse aussi ici. Bon, c'est bien beau de tout lancer, mais bon, le but c'est quand même que tout soit con. Voilà. Bon, je vais pas, mais toi. Ça a fait quoi d'avoir construit en premier ça? Plus d'attaque en B pour toutes les unités de sabreur. Voilà. Héroïne de Inch. Voilà, c'est Anaginata en fait, c'est une unité extrêmement puissante. Voilà. Bravo. J'ai oublié de regarder le rapport de construction du tour précédent.
Alors, trésorerie et guerre sont faites pour être gagnées avec des lances et des épées, pas avec du riz. Nous enverrons de l'aide à notre noble miné, à son peuple. Sa guerre, il ne peut y avoir un vainqueur. Compte qu'un clan rival a souffert de mauvaises récoltes. Allez, on va de l'aide, ça nous fait gagner un d'honneur. Bah, c'est juste pour un d'honneur que je fais. Toc. Voilà, agitateur. Bah, vous pouvez en construire qu'un seul de quartier de Mitsu machin. Voilà. Parce que j'avais pu oublier. Voilà. Tout à l'heure, terre lancée. Érudition, quelques tours. De toute façon, voilà. Après, je vais faire un. Quand je vais faire un ninja et une geisha. Voilà, ça. Visuellement, ils sont en train de changer de visuel, là. Mes unités, là. Pareil. Ouais. Je vous en recruterai un qui n'est pas levé du tout à rigueur. Hero Katana, Maître Bretter. Il y a pas mal d'unités uniques. Hein. Bon, ça, on le croit pas, mais ah, si ça. Que je puisse améliorer derrière. Toc. Alors, si toi tu continues, à qui aussi? J'ai oublié toi. Voilà. Ça peut être aussi une ligne de jeu, c'est de faire assez rapidement beaucoup de monastères et autres, comme les monastères augmentent votre vitesse de recherche à ce niveau. Mise en garde de Fujin, monseigneur et moine part de nuages sombres qui s'amassent au-dessus de nos terres en pensant qu'il s'agit d'un signe de Fujin, il crée une tempête. Donc tout est organisé un Fujin pour tout le camp, veut à ce qu'aucune dépense ne soit épargnée pour ses rites et festivités. Honorons le dieu du vent. Voilà. Ici, dans 3 tours, j'ai le bâtiment. Qui va me permettre surtout de. Ce qui va booster les richesses de cette province. Et avec ça, plus de rang, plus en rang de ninja. Hop. Lorsque l'homme et l'épée ne font qu'un, la maîtrise est futile. L'épée porte l'homme et le rend imbattable, une légende. Hop, voilà. Grand temple. Voilà, ça va permettre de pouvoir faire derrière les nonnes. Tout, 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 tout. Grand temple. Pareil, je crois que les nonnes c'était pas une unité du début du jeu, je crois que c'était ajouté après. De très bonnes unités de combat d'ailleurs, les nonnes. Toc, grand temple. Grand temple, 10 en vitesse de chiffre, ça augmente encore de 5 points, donc c'est. Pour ça, je vous dis que ça peut être une stratégie de viser beaucoup les technologies là. Ouais, parce que c'était des.
J'ai fait ça pour ordre public, j'en avais construit des temples par de mémoire. Et après, il y avait Shimazu aussi qui commençait à m'embêter. Donc ça m'a permis aussi d'un peu de les calmer. Voilà, vous voyez ici au niveau de l'ordre public, au niveau de la conversion. On va prendre cette ville-là, qui est une des dernières qu'on a pris. Voilà, ça descend assez vite. Ensuite, c'est néo-confucianisme. Ensuite, ça sera politique de monnaie. Tentative de provocation. Échoué. Là, je vais bien regarder s'il y a des trucs en construction. Voilà, on a vu qu'il a échoué. Tous les regards sont tournés vers nous. Recruter une unité d'Ashigaru, on s'en fiche. Aussi belle que la fleur de cerisier, et aussi mortelle que le serpent Habu. Tout est dissimulé, et la vérité n'est aperçue que trop tard, lorsque la lame atteint son but. Tiens, voilà, c'est pas à toi de construire ces unités-là, je les ai pas encore construites non plus. Vous pouvez éliminer les agents rivaux. Ah bah je suis bête, on les voit ici les... Choisissez une cible que votre geisha devra tuer. Vous voyez. Décidez si les chances de succès valent la peine de prendre le risque avant de confirmer l'ordre. Car un échec mène à la capture et à l'exécution. Hop. Voilà. Ici, on les voit, vous voyez les icônes, on les voit ici. Donc là où on voit les visuels de base par rapport à mes agents là qui sont déjà un peu améliorés, vous voyez. Masqués. Deux fois que j'ai pas regardé mes constructions. Toi, de toute façon, tu vas te faire éliminer. Ah, 72% au pire des cas derrière. Voilà. Ouais, j'ai déjà level 3. Voilà, pari directement level 3, c'est une unité. Voilà. Quasiment indécelable sur le champ de bataille, cette petite unité de ninja émérite peut terrasser un homme et rentrer au bercail sans que quiconque ne se soit rendu compte qu'elle était présente sur le terrain. Voilà, c'est des unités furtives, pour ceux qui préfèrent. Ici, ok. Voilà. On va construire ici le temple légendaire, parce que je pourrais pas le construire ailleurs. Tu vas me construire ici une nonne. C'est bientôt tout construit. Armés d'une redoutable Naginata, ces samouraïs représentent une menace mortelle pour les unités d'infanterie et de cavalerie. Seule l'artillerie,
peut leur poser problème. Voilà. Toi, tu es retourné. Voilà. Toc, ici on est bon. Tel de monnaie. De toute façon, on est bientôt bon. Hein. Quoi, toi, tu vas y retourner? Voilà, tac. Là, je pousse vraiment le truc à l'extrême pour vraiment tout vous montrer et que vous ayez vu toutes les recherches ou autres. Et tous les trucs. Mais sincèrement, je vais largement plus loin que ce qui est nécessaire de faire. Attends. Retour de l'agent. Mon ennemi exécuté, voilà, ça c'est fait. Fils et héritier, hop. Voilà. Très efficace. C'est une excellente assassin, la Geisha. Recherche cessée, vous avez atteint la limite de technologie en rapport au niveau de développement actuel de votre clan. Construction des bâtiments au moderne augmentera la modernisation et par conséquent le niveau de développement du clan. La dernière technologie a été faite. On va le faire ici à rigueur. Voilà. Vu que c'est un bâtiment unique aussi. Hop. Voilà. Voilà, un level au-dessus. Terfuge pour assassiner, on augmente. Et là, qu'est-ce qu'on prend? Chance d'échapper effectivement aux ennemis, assassiner au milieu, succès à gauche. Donc moi, je prends toujours les deux trucs là. Tous les tournards, voilà, dur gabeur. Donc ici, on va construire héros moine légendaire. Sabotage, monastère. Voilà. Ici, dans quelques tours, le bâtiment sera fait. Là. Calme, plein d'assurance et implacable. Ces moines combattants ont transcendé les simples compétences et ont opéré à un niveau différent, bien au-delà de leurs pairs et de leurs ennemis. Voilà, en faisant ça, l'avantage, ça permet de bloquer effectivement la ville. Voilà. Et voilà, ça a permis de dégommer du... En fait, la technique, c'est ça, vous assiégez la ville, puis vous attaquez l'armée qui est en extérieur. Et comme ça, vous êtes tranquille. Il y a une ville qui n'est pas en citadelle. Cet onglet affiche la liste des clans dont les territoires sont limitrophes aux vôtres et les informations sur les relations diplomatiques entre vous.
Comment je le sais? Parce que j'ai un excédent d'un de bouffe, alors je devrais pas en avoir avec le mode. Donc j'ai forcément une forteresse et pas une citadelle quelque part. Il est peu probable que je fasse la dernière bataille. Il y a trop d'archers en fait en face. Ça sera juste un carnage. J'ai pas bien joué donc. Ou bien je l'assage un petit coup comme ça j'affaiblis vraiment les défenseurs et j'y vais après. Ça peut être une solution aussi. Ouais, de fun sortie. Tant pis pour nous. Voilà. Merci, ma geisha. Ah bah oui, la technologie, il y a une technologie qui donne deux bouffes. Compassion de Bouddha. Kyoto est tombé, quelle belle récompense. Kyoto est tombé sur notre contrôle, nous devons tenir un an pour pouvoir prétendre être le shogun. Mais non, moi je vais me foutre là-dedans. Ah, on a plus rien besoin de faire maintenant que c'est terminé. Nous volons comme des dragons. Je ne m'inclinerai plus jamais devant des êtres inférieurs. C'est eux qui s'inclineront devant moi. Mais nos ennemis marchent encore. Et alors, la victoire est proche. Ils redouteront tous, Léoda. Ils me redouteront tous, car je suis le shogun. Mes ancêtres seraient fiers. Nous avons sorti les épées et sommes partis en guerre. Nos ennemis sont éparpillés. Leurs villes sont en flammes. Tous ceux qui s'opposent à nous ont été écrasés. Leurs morts sont silencieux. Nous, Léoda, sommes triomphants. Depuis les montagnes du Nord, jusqu'aux profondeurs des mers méridionales, nous régnons. Je règne. Le vrai maître du Japon a été révélé. Que tous les hommes se prosternent devant moi, leur shogun tout-puissant. La grandeur de notre clan restera dans les mémoires. Sa gloire, sa puissance. Un héritage qui perdurera 10 000 ans. Vous avez vu à gauche?
droite à gauche, vous avez effectivement la chose. Campagne gagnée, Japon tenté, c'est pour ça devant nous le Daimyo. Une fois qu'Empereur aura déclaré notre Shogun, nous recevons une unité de cavalerie du Shogun, navire amiral Nihon Maru dans le port allié le plus proche, un bonus de 10% de revenus des impôts à travers notre empire, un bonus de morale pour toutes les unités et de nos forces. Juste continuer. Alors, je crois, est-ce qu'on peut y recruter? Juste pour que je puisse. Je crois qu'il y a une cinématique. Bon, on va recruter ça et on va recruter. Le Nihon Maru, le navire amiral. On va juste faire 2-3 tours de plus. Finalement, on aurait pu rusher directement le Shogunat. Hein. Comme le point serré du Shogun, ils pénètrent les lignes d'infanterie ennemie et sont une source d'inspiration pour les guerriers. Le vaisseau amiral commande la flotte. Il stimule le moral des navires aux alentours, mais sa taille et sa lenteur en font une cible facile pour les canons ennemis. Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette campagne vous aura plu. On reste sur 7-8 épisodes à chaque fois sur les campagnes des Total War, c'est bien, on est sur des bons quotas. Voilà, c'était le dernier, voilà, il y a beaucoup de monde temps mort, il n'y a pas grand chose à faire parce qu'en soi c'était le plus dur était fait, le break était fait, je ne ferai pas les batailles historiques, je n'ai aucun intérêt à les faire, j'ai pas la motivation de les faire, tout simplement, à un moment. Ce qui peut être intéressant. Alors attendez. Bataille navale. Ricœur modifié à flotte. Ok, il n'y a que des cobayes archers, il n'y a pas les unités que je pensais. Ah si, c'est les cerfs bounés. C'est juste vérifier un truc vite fait. Parce que j'arrive pas à me souvenir de l'unité que j'adorais en aval. C'est un peu le problème, donc je suis en train de regarder. Mais je crois que c'est le cerf bounet qui était l'unité. Ouais, bon, voilà. Là vous découvrez le navire Nihon Maru, c'est un énorme bounet, voilà. 80 archers, 203, et à tous les coups c'est Serobounet et tout avec les... Ouais c'est ça, c'était Serobounet, les super navires. Ils peuvent encourager la flotte, en fait c'est ils ont des bonus... C'est une grande tour contenant des troupes d'artillerie pour enterrer sur les marins sur le pont. Les morts, ces navires en fait qui sont totalement pétés parce qu'ils explosent les coques ennemies. Ouais, c'est ça. Ces navires en fait ils sont capables de perforer les coques en fait. Donc quand vous en avez beaucoup en fait ça... Et c'est des navires qui sont globalement rapides. Ouais c'est ça. Et encore j'ai pris des bounets donc mais sur les cobayes archéo ça marche tellement bien.
Sur les navires avec un faible blindage, ça marche tellement de la feu de Dieu. Pour la prochaine campagne du prochain jeu qu'on fera, ça sera Rome Total War 2. J'ai fait beaucoup de tests, il sera modé. J'ai pas encore fini de faire les modes dessus, j'ai pas encore trouvé exactement toutes les modes que je veux. Donc c'est encore en finalisation de mon côté, en élaboration. Mais globalement, je suis plutôt content de ce que j'ai déjà réussi à avoir comme mode. Ce que je prépare, c'est une campagne avec l'Égypte probablement. Ça ne sera pas en fait... j'avais parlé aussi de Napoléon Total War avec l'Autriche. Ça ne sera pas la campagne avec l'Autriche. Pour une raison toute simple, c'est que j'ai fait les tests. Et c'est chiant. Autant la Prusse, les Anglais, la France ou les Russes, c'est intéressant. Autant les Autrichiens, c'est nul. En fait, les Autrichiens, vous en prenez plein dans les dents. Vos unités sont en dessous des unités des autres factions. Vous n'avez pas quasiment pas de trésorerie. Le Ordre Public, c'est encore gérable. Vous n'avez surtout pas de trésorerie. Donc, quand l'ennemi commence un peu à vous attaquer, ben, vous avez des difficultés à défendre. Puis après, effectivement, ben, vous débrouillez comme vous pouvez. Donc, non, j'ai décidé de ne pas le faire et voilà. En tout cas, voilà. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream. Je vous souhaite une bonne journée à vous. Et moi, de mon côté, pour ceux qui sont encore là, on va faire un petit raid. Allez, bah, ciao tout le monde. Toc. Et on se retrouve la semaine prochaine donc pour le prochain jeu. Donc, qui est effectivement... Rome 2 Total War. Allez, ciao tout le monde et bon week-end.